Il neige toujours autant. Au moment où je dis ça, d'ailleurs, il n'y a plus de flocons. Il neige plus du tout pour moi. Je regardais le sol. Je retourne, il neige plus du tout. Ouais, bon, par contre, ouais, t'as pris les deux steaks que je t'ai mis. Non, c'est bon. Ouais. Ici, je t'ai fait chauffer de l'eau aussi, si tu veux. Mais dis donc, mais on se met bien là ici, hein. Qu'est-ce qu'on vit bien? Vas-y, bois. Viens boire, comme ça je l'enlève. Parce Allez. Que, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai encore un peu de viande sur moi et j'aimerais bien me faire une prépa après pour l'XP. Tu as raison. Est-ce que j'en comme bois ça, encore je suis full un coup en tout. Ouais, tu peux la vider si c'est gentil. Besoin. T'es full là ou pas? Là, maintenant, oui. Bon, bah, vas-y, je vais juste boire pour finir, mais je suis full aussi. Et d'ailleurs, ouais, on a remonté notre. Notre jauge de fatigue. Juste avec les petits fauteuils qu'on a là-bas, là, les chaises. Ouais, alors ça, c'est donc, incroyable. On n'a pas eu à dormir, du coup, par rapport au dernier épisode. Et c'est plutôt bien. Ça évite de... Déjà, je sais même pas si on peut dormir la journée, mais ça évite de se retrouver potentiellement de nuit après. On sait jamais. Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est assez cool. Donc, je fais cette dernière prépa, moi, et je suis prêt pour partir. Par contre, je veux prendre de la viande, pas de la cuite. Est-ce qu'il n'y a pas des petits... Prends... Ben là. Là, tu en ouais, as qui sont crus. Mais j'en ai deux sur moi, comme ça me permet de les déposer. Ah, bah mets-les dedans alors, tu fais la prépa? Allez, si tu veux. Parce que là, j'étais prêt à ouais, aller faire un peu de patinoire. Mais comment tu la déposes hein. Bah, dans la marmite. Tu laisses appuyer sur le feu. Ah, oui, d'accord. Et Hop. Tu mets deux, voilà. deux steaks. C'est bon. Et Elle après, tu lances la prépa, ouais. Ah, j'ai pas osé. Je me suis T'as dit pas je... lancé la prépa. Non, mais du coup, ça les a retirés, hein, ils sont plus dedans. Pourquoi? Si tu lances pas la prépa, en fait, ça te les remet dans ton inventaire. Ah, d'accord. Par contre, alors, on a fait une deuxième chaise pour nous, pour notre énergie, et je vois qu'il y en a un autre qui ouais, l'utilise. Ouais, qu'il y en a un qui l'utilise bien, ouais, tiens, en parlant de ça. Mais ça, c'est trop bien pour ton énergie. Tu t'assois, regarde. Ça permet regarde, de se remettre full en... Franchement, je me souvenais que c'était plus long que ça. Hein. Honnêtement, c'est pas si long. Ouais. Non, ça va, vraiment. Ça prend du temps un peu, mais c'est pas si long. Allez, bah dès que ça c'est fait, du coup, on est paré pour y aller. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Ça, c'est la question du jour. On a été à cette grotte-là la dernière fois, on a fait les petites ici. Le problème, c'est que la dernière fois, on a vu que... Je crois que c'est une des grottes ici. C'est une des deux grottes qu'on avait vu au pied de la montagne de neige qui était la grotte pour la pelle. Ouais. Mais je me souviens que la dernière fois, justement, pour la grotte de la pelle, je crois qu'il nous faut d'autres items. Donc peut-être ne pas focus justement volontairement cette grotte-là et aller plus loin. Et du coup, peut-être plus aller vers le nord. Ouais, je suis d'accord. C'est aller vers le nord, il y a la grotte vers la plage là-bas plutôt, je pense, à faire avant. Je pense qu'on va focus ça, à la limite, aujourd'hui. Après, je sais pas si ce sera long ou pas, on verra après. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, mais c'est juste que je dépose les pierres là, en fait. Hop. Elle continue ce truc à chaque fois qu'on... À chaque fois, ouais, là, c'est n'importe bon. Quoi. On quand peut y ça aller, veut, par contre, le truc, hein. Eh, hey, mais attends, mais je dis ça, mais du coup, toi, t'as pas de prépa, là, parce que le but, c'était qu'on si, fasse une chacun prépa. Une prépa. J'ai une prépa. Lors du précédent épisode, j'avais fait bouillir. Ah. Oh, regarde qui est là. Elle a un truc dans les mains. Merci alors. Quoi? Elle a quelque chose dans les mains. Attends, elle va me donner des baies, je crois. Attends, faut pas que je bouge, je pense, pour pas lui faire peur. Ouais, moi je bouge pas non Attends. Plus. Déjà, est-ce que c'est pour moi ou pour toi? Mais c'est sûr que c'est donner. Pour toi, regarde comment elle s'avance. Ok, laisse. Oh, ça c'est bon signe, Ors. Oh, merci. Merci beaucoup, Virginia. C'est très gentil de ta part. Et moi, tu me donnes quelque chose? Elle va sortir un gun, elle va me fumer. Ce serait trop drôle. Ow. Eh, hey, ça va? En vrai, c'est un premier pas. Hein. Ouais. C'est un premier pas, mais important, malgré tout. Il est déjà 17h, mais bon, on va aller dans une grotte, donc on s'en fout, on peut partir de nuit. Let's go, on prend nos machines de guerre et... Ça s'appelle les Knight quelque chose. J'avais vu ça sur le livre. Ah, derrière, bah, c'est marqué bah Knight oui, voilà. Pff, super, l'hôtesse la joue. Ouais, moi j'avais vu ça quelque part. Le piège là-bas, là. Mais il se déclenche pas, j'ai l'impression... Ah oui, c'est pas déclenché. Regarde, t'as vu? Ah, je suis deg. Je pensais que dans ce sens-là, c'était bon, mais non. Ok, donc on a dit direction plein nord. Bon, hop. On a un petit peu de trotte à se faire. Hein. Non, attention à eux. Ouais, c'est bon. Oh, je peux pas les écraser, je pense. Ça hop, serait là. Sinon. Oh, je ça me suis vautré. Ah oui, bah ça. Ah bah ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ah, je pensais pouvoir sauter au-dessus. Allez. Tac. Direction le nord. C'est parti. On y va. Hop. J'ai peur de tomber. Ouh. Tu sais que je fais tout avec mon petit bâton. J'ai tellement hâte de trouver un katana là. Je sais plus s'il y avait un katana dans le 2. Dans le 1 de sûr. Mais dans le 2, est-ce qu'il y a un katana? Je sais plus. Dans le 2, je crois qu'il y a une machette. Machette et katana, je crois. Hein. Non, je sais plus. Attends, je me suis vautré. Oh.
Machette et katana? Ok, bah cool hein. Je crois, mais je... C'est pas arme à feu, oui. Bah, par contre, dans le 2, j'avoue qu'il y a beaucoup plus d'armes. Hein. Bah, il n'y en avait même pas d'armes à feu d'ailleurs hein, dans le premier. Ouais, mais du coup, je parle en global entre les armes à feu, même. Je crois qu'il y avait les arbalètes, les arcs et tout, il y en a plusieurs. Ouais, parce que je crois que l'arc à poulie. Ah, quoi, si l'arc à poulie il y est dans le 1, mais alors l'arbalète, je sais plus si on l'a. Ah, si, quoique, je crois qu'il y en a une aussi. Il y a beaucoup. Mais non, je me suis pris une branche et je suis tombée. Ça y est, c'est l'épisode où je vais faire que tomber. On y est, or, ça y est, le fameux épisode est là. Hop là. Moi, je me prends ouais, plein de petits rochers que tu vois pas bien avec la neige aussi. Oui, c'est vrai. Y a pas mal de petits. Non, mais attends, trucs. Là, il y avait rien. Je suis tombé, il y avait rien. Bah là, il y a un rondin. Je sais pas si c'est lui qui t'a fait tomber. Ah ouais, c'est vraiment le bout parce que regarde où est-ce qu'il est, mon truc, il y a rien devant lui. Hein. Ouais. T'as vu, j'étais juste à côté pour moi là. C'est la petite pointe du rondin qui t'a fait tomber. Ouais, ça doit être ça, mais. Ouh. Oh là là, j'aime trop ce jeu. Hein. Il est incroyable. Je trouve ça ouf, franchement, qu'ils aient ajouté cet appareil là. Ça va tellement plus vite, tu te rends compte qu'à la base... On le dit à chaque fois, mais c'est vrai que... Imagine, l'appareil c'est bien joli qu'il y soit, mais si tu le trouves à la fin, tu sais, c'est en mode, bon bah il a servi à rien, tu vois ce que oui, je veux dire. Oui, je suis d'accord. Alors que là, c'est vraiment le truc, comment on en profite, et c'est ça qui est cool. Parce qu'il y a plein d'aventures où on est en mode, ah tiens, si on avait eu ça plus tôt, ça aurait été cool quoi. Ouais. Bon là, il y a un camp, mais il fait un peu nuit quoi, pour faire le camp, non? Après, il peut toujours y avoir quelque chose d'intéressant là-bas, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il fait pas mal nuit. Après, on le fait... Ouais, on a les torches hein, au pire, mais... C'est là ou pas? Attends, j'arrive. Ouf. Je pose ma machine juste ici, moi, comme ça, elle est vraiment collée. Pendant qu'ils dorment, on va looter. Ils dorment pas du ouais, tout. Ouais, t'as raison, ils doivent sûrement pioncer, les mecs. Oula! Attends, lui, il est gros, quand même. Hein. C'est lui avec la massue, il a le... Je vais t'attendre pour lui. Ok, on va faire les vois. Petits avant. Bah là, il y en a un petit qui est mort. Tu en as un autre? Ah oui, là. Ok. Moi, je crois qu'il est mort. Ah, il me faut un peu de peine parce qu'eux, ils ont l'air, tu sais, un peu en mode on regarde, mais on se bat pas et... Ah ouais, lui, par contre, effectivement. Il m'a cassé un truc d'armure. Oh! Ça va? Oui, ça va. Ok, il est sur moi. Si tu veux tenter de lui mettre un coup dans le dos, et là, après, je le tape. Ok, vas-y, je le tape. Il a l'air d'être déstabilisé pendant qu'il crame. Bon, il va taper, je pense. Bah attends, il est complètement déstabilisé. Bah, tant mieux, hein. Il a lâché une sacoche. Elle est morte, là? Bah, je pense, il y a la sacoche, là. Effectivement. Là, il y a une bourse aussi. Oh, il y a un dessin! C'est quoi? Effectivement. On peut pas le prendre dans les mains. C'est une rampe avec quelqu'un qui fait du skate? C'est un... Non, mais c'est le... Mais c'est pas notre... notre item, là? On dirait la fameuse rampe. Ah, de quoi? Bah, c'est pas notre véhicule juste qu'il a. Ah, t'as raison, peut-être, ouais. Ah, oui, t'as raison. C'est genre une roue juste. Oui, tu as raison. Vas-y, il y a des trucs à ouvrir, il y a plein de trucs dedans. Là. Ouais, là, t'as raison. Il y a pas mal de trucs, hein. Attends, t'es où? T'es juste là, ok. Des munitions, ça y a rien. Bah, on a bien fait de le faire ce camp, il y a des choses là. Ah mince, les piles, je les ai pas stockées. Oh, j'étais bête, j'ai pas vidé mon inventaire comme tu l'as fait précédemment. Tu m'avais dit que tu l'avais fait? Mais c'est quelque chose que je fais de base, oui, mais là j'ai omis de le faire. Ouais, mais quand je te l'avais dit, tu m'as dit, ah ouais, pas bête et tout, vas-y, je vais le faire et tout. Ouais, puis en fait j'ai fait autre chose et puis j'ai oublié. Super. Ah, oh, tu scotches trop bien. Elle m'a menti, il y a un PNJ derrière. Je l'avais pas vu. En vrai, je suis full dans tout ça. Après, c'est pas grave. Ça, en vrai, c'est pas grave si on en loot pas plus, parce que c'est pas non plus. Hein. Le scotch, c'est bien, quoi, qu'on ait eu par exemple. Et là, le reste, ça va. Ok, ça c'est fait. On y voit pas très loin de nuit. Hein, Ouais, ça. Allez, de toute façon, on va dans une grotte, donc ça va pas changer grand chose encore une fois. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut récupérer nos. Non, j'y vois limite mieux comme ça qu'avec ma torche là. Mais regarde, attends, équipe-toi du Night 5 là, ou je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Je pense que c'est ça, et regarde comment tu vois trop bien avec. Regarde, c'est trop bien. Quand tu l'as. Ouais, mais en fait, parce qu'en gros, quand t'as plus ta lampe là, ouais. Et ben tu vois déjà plus loin de base en fait, t'es un peu éclairé par la lune, alors que quand t'as la torche, tu vois vraiment que proche de toi. C'est un peu ça le délire. Bon, bah, on est reparti, on est loin encore ou pas? Bah, on va aller vers la grotte, donc ouais, aller vers là-bas. Pas très très loin. Oh, oh. Ah, c'est difficile de. Oula, je vois rien. Ouais, les obstacles, tu les vois pas arriver quoi.
trop, très difficile de circuler de nuit. Ok, je prends un peu plus de temps. Oh non. Je prends un peu plus de temps. J'ai trouvé un véhicule. Arrête. C'est vrai. Mais trop bien. Ouais. Une autre voiture, genre? Oui, c'est pour ça, c'est... Je sais pas quoi en faire. Par contre, il y a aussi une grotte, du coup, là. Eh ben, ça peut être avec un véhicule. Le véhicule. Mais attends, mais c'est le véhicule... Ah non, j'allais dire... Bah déjà, sur... mais il y a une entrée de grotte ici. Mais moi, on y va, hein, courant, je pense. Je suis assez d'accord, ouais. Après, je pense que c'est plus une sortie, ça, du coup, mais... On va voir. Tu penses que c'est une sortie? Je sais pas. Dans tous les cas, on y est, on va voir, parce qu'elle est pas notée sur la map, en plus, donc raison de plus pour l'explorer. En revanche, il faudra penser qu'on en a une qui est pas très loin, vraiment. Mais ça se trouve, c'est la même. Hein. Ça se trouve, c'est la même que celle plus au nord où on voulait aller. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Où est-ce qu'on peut la faire dans les deux sens? C'est ça, je sais pas. Oh là, il y en a, il est énervé, là. Il y a des bébés aussi. Ouais. Ok. Allez, le speedrun, c'est parti. Allez, go. J'ai quand même peur. On sait pas sur quoi on va tomber. En vrai, je suis sûr que le jeu, en plus, ça, si tu veux vraiment le speed, je pense que t'es pas obligé de tuer tout. Ah bah, tu vois, on est bloqué là, je pense. Ouais. Ok, je pense que c'est une sortie. Il y a un speedrun du jeu qui a été montré par les développeurs, enfin où les développeurs React, j'ai vu ça sur IGN, il fait 7 minutes. Oui c'est ça, de toute façon il doit y en avoir. Oui bah après il y avait les, oui, il y avait les speedruns à l'époque aussi parce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu glitchés et tout, qui ont peut-être été patchés aussi. Bah là c'est un mec qui prend la... comment t'appelles ça? Le planeur. Et en fait il s'envole à un point, il trace jusqu'à un autre bout. Bah après j'ai pas regardé toute la vidéo, hein. J'avais vu que le début. Parce que t'avais le truc de, tu sais, tu pouvais passer à travers le bunker final avec un feu ou avec autre chose, je sais pas si ça existe toujours ça. Oui, aussi, c'est vrai, tu craftes, au moment de crafter, tu te TP derrière. C'est pour ça, il y avait un délire comme ça aussi, je suis ressorti du coup, go. T'as de bons souvenirs, hein. Mais oui, non, ce que je veux dire, c'est que même les grottes, je pense que t'as un moyen de, tu sais, tu te bats pas et je pense que tu traces, tu prends les items et puis voilà. Hein. Ouais. Tu veux vraiment le faire comme ça, bon après c'est pas l'optique, hein, mais... J'ai l'impression que je suis très proche du sol, là, c'est bizarre. Je te jure. Ça s'appelle être tombé. Ah mais là je te jure c'est très bizarre. Ok. Oh là là. La sensation elle est... Ah. Je suis très proche du sol aussi, ça y est. Ah t'as vu. Toi tu t'es vautré. je vois pas de quoi tu parles. Oh là là mais c'est dur. Oh là là ça m'a l'air bien bas là. Avec ça. On est où je te... Ah, justement. Ouf. Hop là. Donc normalement... C'est là. Ok elle est quand même un peu plus là-bas la grotte. Tu crois que la zone du requin elle est gelée? Parce que à savoir ça non. On y sera allé en hiver. Hein. Non je pense pas, c'est le lac qui est gelé mais pas la mer tiens. Ok. Enfin je pense hein, après je la vois pas mais... C'est, je commence à apercevoir sur la minimap. Oh. Oh, je vais tomber, je le sens. J'arrive pas à monter. Ça monte pas? Non mais c'est moi qui galère. Bon après la grotte, de toute façon elle doit pas être en hauteur. Hein. Je pense qu'elle est juste là. On y est là? Je pense qu'on est sur le point. Ok on y est. Alors. Hop. Wow. Toujours lié. Hein. Est-ce qu'il y a des choses ici? Toujours les chauves-souris. Il y a un poisson. On peut pas le ramasser. Ouais mais on peut pas le looter, ouais. Ah non. Attends, tu l'as mis où toi ton propre, truc là. Ouais, bah tiens. Ouais, là, collé. Je suis en mode. Aucun risque. Ça va? Oui, c'est les chauves-souris. Je l'ai dit en plus, hein. Ah ouais, j'ai même pas entendu. Bah, je l'ai dit, hein. Si ça a été détecté sur le micro, en tout cas. Quand tu me le dis, en plus, je me le répète en boucle dans la tête pour que quand mais ça arrive. J'ai peut-être pas dit d'une manière qui faisait assez comprendre que c'était un problème. Non, mais t'inquiète pas. J'ai dit, ah tiens, les chauves-souris ou un truc comme ça, je crois. Oh. Ok, il y a un truc qui clignote là-bas. Ouais. Attends, mais on peut interagir avec. Oh, nouvelle localisation. Bunker de divertissement. Mais quoi? Quand j'ai laissé appuyer sur le... Ouais. Mais quoi?
Oh, réservoir d'air collecté. Hein? Juste là. Où ça? Là? Ah oui, ah oui, la bouteille de... Ah okay, oui, j'ai cru que t'avais eu... J'ai cru que t'avais eu... Ah, carrément le truc pour les ouais, sous-l'eau. Le recycleur. Ouais, je crois que t'avais eu le recycleur. Est-ce que ouais, on pouvait crafter des trucs avec ça là? On craft quoi? Non, on crafte pas du tout avec les fusées éclairantes. Hein. Tiens, les ampoules, elles servent quoi? Non, mais ampoules, ça c'est sûr qu'il y a un truc. Oh, il y a un papier là! Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le petit papier? Puff Corp, Odmin Sahara, The Therapeutic for Remote Island. Ah oui, alors ça, on se souvient de ça. Je crois dans mes souvenirs que. Du coup, Sahara. Sahara c'est Therapeutic. Dur, ça, Sahara. Exactement. C'est ça? C'est, le... mmh. C'est les chercheurs du 1. Et Puff Corp, c'est la famille qui a disparu là, les Puff. J'avance en même temps, si jamais. Ouais, ok, j'avance aussi. On avance en même temps. C'est ceux qui sont portés disparus et eux, bah, c'est des milliardaires ou millionnaires, là, je sais plus trop. Chauve-souris. Ouais, mais elle a pas. Ah oui, celle-là, on fait du bruit. Et ils se sont alliés les deux. Ça fait peur le crâne là qui scintille juste. Oh, il y a de la viande. Ramasse-la, hein. On la fera cuire. Ouais, j'en mange. Père. J'en avais de la cuite. Ah, je sens pas ici, c'est trop bizarre. Bon, ça va, ça me rassure. Par contre, moi j'ai été bête, j'en ai pas cuit avant. Alors, c'est pas grave, tu me diras. Bah, après, t'as le. De toute façon, la mixture et tout. Mais ouais. Juste... Ok. Oh, c'est pour toi ça? Ouais, j'y vais. Ouh. Parce que ça se trouve, il y a des requins. Donc. Bah. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? On me souvient de certains trucs d'ailleurs. Y'a un mec. Il n'y en a pas qu'un, ouais. J'en ai vu un deuxième derrière. Ok, ah bah c'est lui que j'avais vu justement. Je crois me souvenir d'un truc, mais je vais rien dire, de toute façon on verra bien si c'est là ou pas. Tu me fais peur quand tu me dis je crois me souvenir d'un truc. Oh, disons qu'il y a sûrement des TikTok qui vont sortir après. Oh non. Ça va finir sur la toile. Non mais tu commences à m'agacer. J'ai perdu toute mon armure sur elle, c'est triste là par contre. J'avais pas vu ça. Ah bah alors là. Elle est où l'autre? Ah mais il n'y en a pas qu'une. Oh non, il y a ouais, l'autre là, il y a le ouais, dégueulasse. Ouais, il y a celui que t'aimes pas là. Bah Tripo, on l'appelait lui, non? Oui, Tripo. Justement, à T'as cause raison. De toi. Et bah voilà, ce sera son nom, Tripo. T'as tripophobie là. Bah ouais, ah bah, c'est d'ailleurs. C'est ridicule mais bon. Bah non, forcément. Hein. Aucune phobie n'est ridicule. Il est vrai. Ça l'est que pour des gens qui bah qui l'ont pas en question, mais... En plus, c'est très bizarre, tu vois, je vais pas hurler de voir ça. Ah, quand même, un peu. Ah, quand même. Ah, lui, il est quand même dégueulasse. Non, j'étais bête. Je suis allée trop proche. Non, mais après, tout le monde a peur de quelque chose, donc forcément... tu comprends pas toujours les peurs des autres, mais bon, tu comprends que t'as peur de choses que d'autres n'ont pas peur non plus, donc tu peux comprendre les autres par rapport à ça. Quoi. Mais la tripophobie, c'est pas une. En fait, je considère pas ça que c'est pas une peur, c'est plus un dégoût. Ouais, un dégoût, dégoût profond. Vraiment intense, quoi. Ah ouais, parce que moi, c'est. Genre les coraux, les... tout ce qui est récif marin. Tu Après, sais, lui, il me dégoûte, hein. Enfin, je te rassure, hein. Ouais. Je le trouve pas particulièrement attirant, quoi. Ouais. Je crois qu'il est mort, là, non? Eh ben, ah, ouais. Ça y est. Quand il fait ce petit jet là, après c'est bon. 3, 2, 1. Go! Merde! Go! Oui, le go qui arrive pas. C'est parti! Je me suis dit, bon. Alors. Alors, faut fouiller partout. Je vais rééquiper, tiens, son truc. Ouais, son armure. Hein. Ouais. C'est vrai que l'armure, ça part super vite quand tu prends des coups. Ah, des poissons. Ah ouais? Oh? Ouais. Ouais. Mais attends, mais tant mieux. Sûrement Kelvin qui est en train de les pêcher. Il y a deux chemins. Écoute, on va aller tout droit, je pense. C'est où tout droit? Oh. À droite ou à gauche? À gauche. Ok. Même si à gauche, ça semble plus être une suite alors que le... Ah. C'est horrible parce que t'as vu, eux ils arrivent pas à parler. Hein. Ils ont la bouche. Ouais. Oh là là, ouais, c'est. Ok. J'avoue que ça a l'air de. Oh là là, attention. Ah, j'ai vu.
Mais c'est pas les mêmes, même physiquement ils ont pas tous la même... Lui il a pas la même tête genre que l'autre qu'on a vu juste ils avant. Sont pas... De toute façon ils sont pas toujours tout à fait pareils. Hein, ouais. Il y a beaucoup plus de types d'indigènes et de mutants différents dans Son of the Forest que dans The Forest. Oui c'est vrai par contre. Je sens pas ton truc là, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je sais pas, j'avais peur qu'il y ait un requin ou un truc. On explore non? J'avoue que ça m'a l'air grand quand même là encore. Ouais, est-ce qu'on fait demi-tour alors, vite fait? Vas-y, une autre fois. Ouais. Après, bon des fois il y a des grottes... Même si je crois que dans le 1 c'était un peu plus galère. Alors je crois que dans le 1 c'était vraiment labyrinthique. Là, ça allait moins, mais c'est vrai que des fois t'as des grottes, elles sont tellement grandes que forcément il y a certains chemins que c'était tu ne fais là pas. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ah, remarque. Là, on essaye de tout faire. Ouais, mais là, c'est pas évident parce que. Bon, il faudra aller à droite en tout cas si on revient sur nos pas, ok? Ok. Faut juste retenir droite. Ok. Bon, on a pris à droite, donc il faut reprendre à droite derrière. Y'a besoin. Là, hop. Okay. Oh là, il y a des choses. Il y a plein de caisses. Le tissu, je prends avec plaisir. Bah attends, la boîte, là, je peux pas la prendre. Moi, je vais la bouffer hein, pour la prendre. Alors, dans en ce vrai, cas-là. J'ai pas mal de tissus, j'ai des cordes. Je pense que ça vaut le coup de... Ah, les conserves, je peux pas les manger. Oh, il me faut un ouvre-boîte pour ah, manger. Ah, c'est vrai, oui. Ah, et c'est de la bouffe pour chat. Bah, Pearl serait content. Ah, bah c'est très bien. Bon appétit. Bah écoute... Après, je pense qu'à partir du moment où t'as vraiment faim... Il y a beaucoup de cordes. C'est ça que tu veux faire du coup du... Je fais un peu d'armure, ouais, parce que j'ai du tissu, j'ai encore les os, bah forcément, donc... Ok, donc je fais bah les cordes bah... que je peux. Ah mais attends, mais le... Ouais, j'ai du tissu, mais... Mais non, mais c'est du tissu que j'ai, c'est pas des... du scotch, je suis bête. Dans ma tête, j'avais tout ce qu'il fallait, mais c'est le scotch ah, que mais j'utilise. Ah, si tu veux le tissu, si tu veux utiliser du tissu, tu prends les feuilles, feuilles et tissu, tu fais de l'armure avec. Alors c'est pas l'armure la plus puissante du jeu, hein, mais... Ouais, mais tu la mets devant pour tanker à la place des autres armures. Eh, hey, pas bête. Pas bête, ça, non? Pas bête. Comment ça tout. Fait, du coup, ça? Vas-y, je vais faire pareil, ah, c'est alors. 10, 2, 3, 4... Ah, mais en plus, ouais, j'avoue que tu peux en faire plein, en fait. On a tellement de feuilles. Et c'est ce que j'allais dire, les feuilles, j'en avais 1000. Ah oui. Moi aussi. Ouais, en fait, je pense qu'on est peut-être bloqué à 1000, mais... Voilà, et l'avantage, c'est que c'est toujours la première armure qui prend. C'est pas bête. Et donc bah forcément ce sera l'armure de feuille qui prendra et derrière bah t'es quand même full armure tu vois. Ouais. Sauf que j'ai fait clic droit et pas clic gauche. Oups. Ah mais d'ailleurs j'avais pas mis cette armure. Bah c'est pas grave, je vais la garder de côté cette armure là. C'est pas grave, j'aurai une armure en os en plus. Eh ben. Ça se met bien par ici. Mais bon je me dis c'est toujours de l'armure, ça tank toujours, ça évite de taper dans les PV direct. Ce serait cool de pouvoir par contre tu sais avoir un craft rapide. Ah oui je suis d'accord. Parce que là, c'est de spammer, bon, c'est... Ouais. Et t'as toujours l'animation, t'as vu le... Avec la petite musique, là, dès que tu lances ton craft. Ouais. Tout, 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 tout. C'est bon pour toi, là, ou pas? Hop, bah ça y est, c'est officiellement... Ok, par contre, j'ai très soif et faim, je vais prendre ma petite casserole, ça va aller mieux comme ça. Faire pareil, en plus, pour le combat, c'est pas bête. Est-ce que t'as pas appuyé sur clic droit vider à un moment? Et que c'est pour ça que c'est vidé? Tu te rends compte? Est-ce que j'ai encore un slot d'armure ou pas, je sais même pas. Par rapport à quoi tu me dis ça? Quand t'as la marmite ouais. En main, tu peux faire vider. Et tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais perdu ton truc. Je me dis à tout moment, elle a vidé. Non, en fait, tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la marmite et dessus, j'avais mis la viande. Puis, quand je suis revenue, le feu s'était éteint. Enfin, c'était détruit parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, j'ai récupéré la marmite et quand je l'ai récupérée, eh ben, il y avait écrit que c'était de la flotte maintenant. Ouais. Alors est-ce que vu que ça l'a pas cuit et que ça l'a coupé en plein... Ah ou alors tu n'avais pas appuyé pour la faire peut-être, tu sais... Bah j'avais plus mes steaks. Ça avait pas validé peut-être le truc, je sais pas. Je sais pas. Oh y'a une grenade! Je prends! Ah on va pouvoir fermer du bois. Bah ouais. Merci monsieur. Elle était où ta grenade? Il y a eu des soins sur lui? En face tripot. Oui bah elle était sur lui la grenade. Ah sur lui? Ouais. J'ai une grenade? J'ai peut-être une grenade, j'ai pas fait gaffe. C'est 3 coups qu'il donne à chaque fois. Oui. Et ben il m'a enlevé un ou deux d'armure. J'étais surprise il manque 2 d'armure mais je sais pas s'il l'a mis jusqu'au bout en fait tout à l'heure. Mes timings sont très mauvais hein. C'est bon. Je dois être sûr. Ok. C'est parti. Oh 3, la 2, bave. 1.
Allez. Toi là ça me dégoûte un peu, t'as vu tous les trous que ça fait de bave là. Ça me dégoûte mais un peu. C'est pas encore le pire. Ah c'est quand même un peu dégueulasse. Ah toi aussi c'est sympa. En bas de camo là. Ouais c'est pas mal du tout. Attends j'ai un trou de mémoire là. On descend ou on monte? Non c'est là, déjà plus. Après le monsieur. j'ai un trou de mémoire. Ah oui oui il y avait le mec là. J'aime pas ce que j'entends. Oh. Des fois qui dit musique dit bonne chose hein. Ah là-haut. Ça va? Ouais toi. J'ai cru t'entendre te battre. Non non c'est que j'ouvrirai le passage et du coup là faut aller dans l'eau. Mais attends je comprends pas où t'es là. Non parce qu'il y a deux passages, j'arrive, je voulais voir où ça menait. Il y a ah, deux chemins pas en vu fait. L'autre chemin. Oui mais j'arrive, je voulais voir quand est-ce que t'allais t'en rendre compte, mais je voulais voir surtout où ça menait déjà. Et ça mène à rien un des deux. Ça mène à un passage que j'ai cassé, un passage en bois et ensuite on peut aller, il y a une corde pour descendre. Oh. Il y a du loot là où t'étais. Ouais, il y a une carte. Ouais, en fait, je Par peux contre. Ah, bébé. Oh, il y en a plein. Ça fait sauter l'armure, ces merdes, hein. Ouais. C'est un truc de fou, hein. Et encore une fois, vaut mieux perdre cette armure-là qui oui, bien sûr. Coûte pas grand-chose. Ah, oh, juste le tissu, quoi. Bon, là, on en a pas mal, mais c'est vrai que c'était pas. Il y a des fois encore où on en trouve un bébé. Plein, des fois moins. T'as vu comment ils partent là au galop? Ouais. Par contre, il n'y avait pas un autre chemin où il fallait aller à droite tout à l'heure là, parce que sinon, bah, derrière nous à droite une première fois là maintenant et une deuxième fois ouais sinon ouais. Il y a deux chemins là qu'on a laissé de côté derrière nous. Ok. Et là il y a un mec qui a... Oh c'est un taser. Un taser. Yeah. Ors, viens voir. Ouais je vois. Attends je vais éteindre en fait, on y voyait mieux sans. T'as vu les trucs qui passent à travers? Ah oh, bah là je viens de le voir à l'instant. C'est le fameux complexe. Ouais. On l'avait croisé ce petit complexe. Ok, bon bah écoute. Et là ça continue. Là... Ah non. C'est fini. Là du coup je pense qu'on a vraiment tout eu. Alors. Je pense qu'on a tout eu ici. De toute façon c'était pour le taser, hein. Ça c'est sûr. Donc maintenant. Soit on va dans le trou que j'ai vu, il faut descendre une corde et tout, soit on revient bien en arrière à droite et ensuite on reviendra dans ce trou là, mais il faut s'en souvenir. Le problème de descendre de la corde c'est que... Ouais j'ai peur de pas remonter. On va aller quoi, plus loin. Je sais pas. Ouais. Après je sais pas en fait, mais attends c'était où? C'était encore à droite après. Après je sais pas si c'est juste une corde ou tu descends c'est une pièce, ce serait dommage d'aller loin mais... je suis d'accord. Encore une fois, faut pouvoir remonter. Si tu veux on quoi. La descend. Regarde, on regarde c'est comment... Là. Ah, attends on va regarder ouais. Justement, est-ce qu'on a possibilité de remonter ou pas? Oh après, à tout je moment, en fait, on tombe dans de la flotte, tout. Quoi. Ouais, je sais pas quoi dire, là. Attends, là, on peut claquer un... Une flare? Ouais. Vas-y. Je la claque. Prépare-toi, regarde ça. T'es prêt? Pense à l'allumer. Je m'appelle pas Ors, hein. Allez, hop. Ça marche, je te le dis. Ça a l'air... Bon, celle-là, par contre, je l'avais pas claquée. Ouais, je m'appelle pas Ors. Ah, si, ça a l'air de. Mais je sais pas, ton truc il est pas tout en bas, je crois. Tu peux l'envoyer pile en bas de la corde ou pas? Mais. Attends, comme ça. Peut-être. Et là. Tac. C'est bon ou pas? Non, du coup, je. De l'autre côté. Et soit bah, en bas de la corde. J'arrive pas, essaye. Parce qu'en fait, du coup, tu vises le mur, mais vu que tu n'arrives pas à regarder vraiment. Ah ouais, je vois le problème. C'est incliné, tu vois. En fait, faudrait que je le. Ouais, faudrait le pré-shoot d'un peu plus loin, mais du coup, c'est pas possible. Ouais, c'est pas bête. Ça sert à rien de les flairer. ça a l'air d'aller quand même vraiment en profondeur. Hein. Donc, on recule, on va d'abord à l'autre chemin, peut-être. Puis on descend. Ouais. Oh bah tiens, il y a des flairs en plus là. C'est celle ouais, que j'ai claquée. On va faire ça, mais ouais. Je. Bon. On va regarder. J'ai peur, Ors. Tu t'en fous, hein? Non, je loot. Non, je m'en fous pas, je loot. Ce sont deux choses différentes, hein. Ok, donc normalement, on va croiser le gars à moitié crevé, là. Sur un coin. Comment qu'on l'ait déjà passé? C'était loin, quand même, hein? C'est là. Ah.
Ok. N'hésite pas à parler pour documenter ma POV aussi, hein. Oui. Oui, c'est vrai. Nous arrivons actuellement dans le... Non, mais la mienne aussi, hein, t'inquiète pas que j'étais silencieux qu'elle. Ah, je pensais non, que tu n'y que... plus. Non, si. Non, mais parce que c'est pas bien loin, là, de toute façon, donc... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est rien, en fait, si. Ah, si. Ouais, non, il y a un passage là. Là où tu es. Mais il y avait du loot ou pas? Je n'ai rien vu. Tu veux que je relonge? Moi, bah, je suis passé un peu vite, donc là, j'avoue que... Donc après, si on revient... Non, c'est juste que j'essaie de me repérer aussi en même temps, et du coup, j'étais... Après ça va, le chemin, il y a deux chemins, c'est pas compliqué, mais... Non, il n'y a pas de loot, que dalle. C'est vrai, quand tu reviens comme ça en courant, c'est plus agréable que quand tu galères. Il y a un truc avec de la lumière en face, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu vois encore... pas? Ça a encore coupé ce que tu... Il y a un requin. Ouais, mais c'est ça que je me souvenais au début de la grotte, que je t'ai dit j'irais rien. C'est vrai? Ouais. Je me souvenais. En fait, quand tu m'as dit qu'il y a des bouteilles d'oxygène, je me suis souvenu qu'il y avait une grotte comme ça et je me suis dit, tiens, problème. S'il y a l'oxygène, à mon avis, c'est que c'est la fameuse grotte du requin et où il faut plonger avec lui, pour rappel. Quoi? Mais je l'ai même pas vu encore. Pas bon. Non, mais il est vivant. Continue de bouger. Laisse-moi au moins le voir là avant d'éliminer. C'est un mégalodon le truc. Oh, mais tu sais que je le vois pas par contre. Mais comment ça tu le vois pas? Là, il est à côté de toi. Je le vois très très mal. Attends, t'as quoi en graphisme là pour le voir là? Attends, je suis en normal. Mais tu le vois, là on le voit peu. Là, on le voit plus proche. Tu vois sa queue, elle a... Oui, mais je le vois, mais très mal. Hein. Attends, je vais remettre en... J'ai trop peur. Remettre le style là. Ouais, vas-y. Blockbuster. Mais j'y vois pas mieux hein, comme ça. Ou alors les gammas un peu. Peut-être un peu de gamma toi. Je vais te dire, mes gammas ils sont à combien? Ouais, mes gammas ils sont un peu montés, je crois. Non, je suis à 0,58. C'est bon, on voit les gammas. Dans l'affichage. Et voir pour la grotte. Mes gammas ils sont à 0,50. Ouais, mais non, c'est moi qui en ai plus en plus. T'es à 56. Non, mais il est là, tu le vois. Il y en a pas qu'un, il y en a deux. Non. Il y en a qu'un. Je panique. Non, mais je le vois là-bas, mais honnêtement, je le vois pas bien du tout. Oh, et tout à l'heure, quand tu le voyais, je le voyais pas du tout. Hein. Il me fait trop peur. Attends. Mais moi, en vrai, les gammas, ça a rien l'air de changer. Mais on dirait qu'il va venir nous bouffer. Ah là, je le vois mieux avec la luminosité. Là, c'est peut-être la luminosité du coup et pas les gammas. Ouais, mais le truc lumineux là-bas, c'est que c'est forcément un truc à aller chercher. Si je me remets comme ça. Oh, il y a des bras, tu crois qu'on peut lui donner à bouffer? Ah, pas bête ça. Non, mais de toute façon, on va pouvoir lui tirer dessus au pire des cas. J'ai ah, ouais, peur. Là je vois quand même. Bon, faudra me faire penser à baisser ma luminosité parce que j'ai un peu monté là du coup. Je me sens pas bien. Et à l'extérieur, avec la neige, je vais arracher les yeux sinon à tout le monde. Donc, des fois, ça me choque pas. Il est je où sors je le vois je... pas. Ah, voilà, viens voir. On s'en fout, il est dans l'eau, t'inquiète. On s'en fout, il est dans l'eau, t'as jamais regardé les trucs Sharknado toi? On va pouvoir plonger avec lui? Non, alors là, que le chien. Je le dis, hein. On va pouvoir plonger? Oh, super sac en main! Il est hors de question que je plonge avec cet individu, je te le dis tout de suite. Je peux lui claquer une molo? Puisque là, bah, j'ai... une molo dans l'eau? Sur lui, ça on va brûler. On a d'autres idées. Oh, je le tasse! Non, mais tu sais qu'il y a un truc qui me dérange encore une fois. Si on va sous l'eau là. Ouais. On pourra pas revenir là où il y avait la corde. Non, mais on va pas aller sous l'eau. Bah, si, on va aller sous l'eau, je pense là. Pourquoi est-ce qu'on irait sous l'eau? Parce qu'on nous a pas donné un recycleur pour ne pas aller sous l'eau. Il est où? Il est là, collé à moi là. Mais. Je l'ai tassé. Sale bête. C'est triste. Je te jure, c'est triste. Ah, mais attends, je crois que je l'avais mis dans son slot, mon gun. Mais j'avoue que là, du coup, je vois plus rien. Voilà. Ah, ça, j'avoue que ça l'a pas tué. Je lui ai mis une balle et ça l'avait pas tué. Ah, 3 balles. 3 balles, ça y est. Ah, donc il lui faut 3 balles à lui. Ok, bah t'es prête à plonger? Non. Où tu veux plonger? Eh bah écoute, t'as qu'à rester ici alors et on se dit à terre. Mais pourquoi tu veux plonger? Putain, mais j'en ai marre de ce mec, j'en peux plus moi. Attends, mais j'y vois rien. Hein. Bah voilà, bah tant pis. Hein. Mais c'est parce que normalement il y a une lumière. Non? Bah oui. Ouais. Et si tu fais L, t'as rien? Non, mais j'ai une lumière déjà, mais en fait, s'il n'y a pas de paroi, t'y vois rien.
Mais moi j'y vais pas, hein. Ça se trouve, il y avait rien. Ça se trouve, t'es juste en mode nage avec les requins là. Non, non, il y a un truc. Oh, il y a des petits chaussons. C'est mignon ça. Par contre, il fait froid en dessous. Bon, bah, tu me diras s'il y a quelque chose. Je peux nager plus vite aussi. Bah, oui, je suis dans une grotte là, j'avance. Non, non, tu plus t'attends pour me rejoindre, plus tu vas galérer à trouver le passage. Hein. Mais tu vas je pas pourrais me faire pas revenir, ça, quand hein, je vais même manquer d'oxygène. Hein. Mais j'ai peur. Le requin, il est à la surface. Et le requin, il est mort. Mais. Je peux te le confirmer, hein, je l'ai vu de près. Hein. Putain, je vais faire un malaise. Je fais quoi? Mais je m'équipe et j'y vais? Et voilà. Et voilà quoi? Bon, tu m'emmerdes, je sens pas. Hop. Je suis sorti de la grotte. Donc c'est la sortie. C'est la sortie. Bah voilà, donc je reste sur Terre. Bah si tu veux. Bah oui, que tu viennes. Moi je rentre pas. Hein. Mais pourquoi? Mais je peux plus rentrer maintenant. Non mais je vais jamais retrouver l'entrée là, c'est fini. Mais je suis à l'extérieur là. Je suis sorti par l'eau, je suis en plein milieu de la mer. Je t'avais dit de m'écouter. Mais parce que je voulais savoir où ça menait, je veux montrer aux gens où ça mène. Mais c'était plus worse de descendre par la corde que de passer dans l'eau. Voilà. Super, je fais quoi moi maintenant? Eh ben tu m'attends et j'arrive. Bah merci, voilà. C'est impressionnant, hein. Super, dans l'équipe, il n'y en a qu'une seule qui gueule, c'est toujours la même, super. Ah ça, c'est sûr qu'elle gueule, celle-là. Bah oui, bah t'aimes bien me faire gueuler aussi. T'aimes bien m'énerver, là. Incroyable. Ah ça, c'est sûr que... Allez, c'est reparti. T'inquiète, j'arrive, je suis là dans 2 secondes, hein. Mais on va à la corde direct, hein, t'inquiète. J'ai peur. Je crois que le requin, il a des pops. Ouais, vous voyez, son corps est là. On a bouffé pour 30 jours. Mais attends, là, t'es de quel côté? Je suis dans la grotte. Oui, mais tu repasses par l'eau? Pas du tout. Bah non, je t'ai dit, c'est impossible que je retrouve l'entrée. Je suis sorti en plein milieu de la mer. Comment veux-tu que je trouve une entrée en plein milieu de la mer? Imagine que là, il y a des bestioles. Mais déjà, viens à la corde. Là, je suis quasi à la corde. Hein. Mais je suis en train d'arriver, là. Tu vois? Je suis stressée. Putain. T'es pas du bon côté? Mais arrête! Comment ça, je suis pas du bon côté? Je suis en train d'arriver, là. Tu m'angoisses. Ok. Tu me fais angoisser. Ok. On dirait plus rien. Mais c'est pas possible. Comment je suis pas bon côté, là? Tu vois, tu me fais des crises d'angoisse, là. Non, mais si, t'es peut-être... Mais alors, c'est juste que t'as été lente pour revenir, parce que moi, je suis revenu de la mer et... Mais parce que j'ai attendu pensant que t'allais repasser par l'eau. Mais je faisais que dire que l'eau, c'était mort. Mais je crois que tu me faisais blague, un prank, hein. Non, c'est pas un prank, vraiment. C'est... Dis-toi, je suis sorti... Dis-toi, je suis sorti vraiment par... Par la mer, donc... Enfin... Mais pourquoi t'es pas repassé au fond? Parce que tu peux pas retrouver une entrée dans la mer. Bon, allez, je t'attends. T'as pu trouver la sortie, t'as pu trouver le truc, hein. Ah là là, c'est moi qui viens dehors, quoi, c'est moi le premier arrivé. Ouais, et bah ça va, d'accord. Ah là là. Supportable celui-là. Allez, après toi. Allez, fous-moi le camp. Il fait nuit noire. Bah, fallait mettre des flares. Ah bah là. Oh, c'est si profond quand même. Ouais. C'est quand même vraiment profond, là. Et c'est quand même vraiment, vraiment profond. Ah ouais. T'as encore ton masque et ton tuba si jamais. Je sais pas si ça impacte sur la luminosité. Ah. Et comment je suis censé le déséquiper? Normalement c'est clic droit dessus, non? Quand tu réouvres ton inventaire. Ok, il y a un bail comme ça. Je crois qu'il y a un truc où tu recliques et ça l'enlève, mais je suis pas sûr. Alors déjà il faut que je le trouve. Moi je savais même pas où il était. Tu l'as trouvé? Non, je l'ai. Attends, je t'aide à le chercher. Ah, en bas à droite, recycleur d'air. En bas à droite, là-bas. Et donc déséquipé. Ouais, on sait jamais des fois que ça prenne le truc. Après. Ah, c'est pour ça que j'étais lent, non? Je sais pas. Je sais pas si ça impacte sur ta vitesse, mais peut-être sur la vue. Je sais pas si on a des palmes avec ou quoi, tu sais. Attends, il y a gauche et droite là? Ouais. Ah, mais je crois que la gauche c'est. Un chemin, ok. Il y a gauche et droite. Et en face. Oh non. Bon bah on fait droite. Je sais pas, je suis perdu. Si c'est ça, t'as raison. Il y a trois chemins. Ouais, il y a trois chemins. Vas-y, bon, droite. On fait celui-ci, droite. Ok, bon, je pense que c'est pas mal, ça a l'air d'être... Vas-y, je te laisse tout casser. Vas-y. Il y a beaucoup d'items que je commence à ne plus pouvoir ramasser. Ah merde. Genre la corde. Pourquoi est-ce que je peux l'utiliser là?
je peux faire corde de zeppelin. Moi, je fais un peu d'armure. Ah, mais ça, c'est pour le pistolet, tu sais. Ouais. Moi, en fait, là, je fais de l'armure, mais tu sais, je l'utilise pas. Comme ça, je garde mon armure. Attends, tu fais des. Ouais, c'est pas bête. Je fais en des rab. Stocks d'avance un peu, quoi. Ouais. Ouais, comme ça, j'en ai un petit peu en stock là à droite. C'est ouais, cool. C'est pas bête. Comme ça, si t'arrives quoi que ce soit, tu peux vite. Et après, ce serait bien que je refasse quand même l'armure comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. C'est 9 ou 10 ? 9. Ok. Celle-là, je vais la porter. J'en ai mis trop. Mais en fait, si t'en mets plus et que tu fais juste ça, ça te le rend. En fait, ça laisse même le truc dessus, donc ouais. C'est presque pas bête, ouais. Quand tu fais supprimer, est-ce que ça te le met sur le côté ? Ouais, ça va. Oui, t'inquiète. Ouais, j'avais peur. Ce serait abusé le. Oui, mais non, c'est supprimé. C'est okay, dégagé. En plus, vous avez perdu les ressources. Allez, bonne année. Ok, bah très bien. Là, on est pas mal. Ok, donc celui-ci, c'est fait. Donc, on a le milieu ou la partie de gauche ? On fait. Je sais pas. Bah, le milieu, puisqu'il faut continuer dans le. Ah, quoique. Parce que la partie de gauche, c'est une petite croix. Est-ce que c'est pas genre. Vas-y, va. On peut avancer un tout petit peu, et puis si on voit que c'est très. Oh là. Chaleureux ? Ouais, c'est chaleureux là. Il y a encore deux chemins. Bon, bah, vas-y, on fait milieu. Il y a. C'est un plan. Oh ! Une croix ? Faire une croix. Avec des ampoules ? Attends, il faudra qu'on fasse une bûche, deux fils électriques, enfin les fils de fer ou je sais pas quoi, et neuf ampoules. Oh, et là, il y a quelque chose à casser, Ors. Non mais il y a trop de chemin là par contre. Là on va commencer à se perdre. Est-ce que tu veux que je mette... Ah non, j'allais dire une balise, je peux pas. Merde. Je sais pas, ouais, ça aiderait. Hein. En fait, ouais, là j'ai peur qu'on oublie des trucs. Après, je suis assez d'accord avec toi. Si c'est pas des trucs importants, c'est pas grave. Attends. C'est un cul-de-sac. C'est bizarre, pourquoi nous montrer ce chemin si c'est un cul-de-sac. Non, faut pas qu'on aille là. Parce que si on descend là, j'ai peur qu'on ne puisse pas y... Si, ça va. Oula, mais attends, mais c'est quoi ça là? Attends, mais quoi? Mais on est où là? Ouais. C'est quoi? Ça clignote à gauche? Quoi? Ok, c'est un cul-de-sac, je crois. Attention, je sais pas, ça a l'air électrique avec de l'eau, ça me fait peur. C'est quoi? Je le ramasse? Ouais. Vas-y. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est que premier degré, par contre. Enfin, ça me rappelle un truc, mais je me souviens pas qu'on ait récupéré ça comme ça. Alors, moi, c'est très bizarre. Tu sais ce que ça me rappelle? La... Ouais, mais après, je veux pas le spoil, donc je veux pas le dire, moi. C'est dans le 1, c'est une réfo 1, ça n'a rien à voir avec parce le 2. Parce que moi, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu la première série, c'est j'évite de spoil des gros trucs. Non, mais moi, je donne aucune information sur la Son of the Forest, je parle là vraiment du premier The Forest. Dans The Forest, à la toute fin, on a la possibilité de récupérer une sorte d'artefact qu'on peut planter dans le sol. S'il passe en rouge, ça attire des vagues d'ennemis. S'il passe en bleu, on est safe. C'est un truc, ça. Et bah, en fait, c'est pas vers la fin du jeu que t'avais ça ? Si, à la toute fin. Et du coup, tu le plantais dans le sol, et quand tu passais en rouge, et bah tu faisais venir masse monde, et quand t'étais dans le bleu, c'était bon. Et en fait, on dirait un morceau de ce truc. Ok. Mais après, s'il faut. Bah moi, ça me rappelle peut-être un truc pour. Ah, mais attends, ça, c'est le chemin du milieu. Qui attends, amène là. Comment tu es passé? J'ai sauté. Je sais que t'as c'est le chemin du milieu même. Qui amène là, donc en fait, on a fait tous les chemins, et là, ça mène à droite ensuite. C'est bon, tout est réuni, il n'y a plus qu'un chemin. Ah, bah trop bien. C'est bon, il y a. Ah, bah d'ailleurs, c'est un cul-de-sac. Oh, bon bah. Ah bah finalement on a eu peur. Donc là en gros on peut... Mais comment tu fais? What the fuck? mais parce que je pense que nos... C'est bon. T'allais dire quoi? Que nos persos n'ont pas la même taille, que machin... Elle allait... qu'est-ce qu'elle se plaint encore celle-là? Elle y arrive mince. Ah ouais? Alors? Hop là! Voilà. Mais t'es monté sur ma tête, ça va toi? C'est vrai mais j'ai quand même pas réussi à monter parce que je me suis fail. Du coup, tout ça on a fait? Bah du coup pour moi là si ouais pour moi on a tout fait. Attends, on a bien tout pour... on a bien pris l'espèce de truc bizarre dans notre main et au-delà de ça attends ouvre ton inventaire. Il est où ce truc bizarre? Oui. Mais du coup ouais moi ça me rappelle un truc pour celui-là mais je me souviens pas qu'on avait looté ça comme ça ça me rappelle quelque chose mais je suis pas en mode ouais on l'a fait. Il y en a 7. Il y en a 7. Non vraiment on avait pas fait ce truc là je crois. Non on l'a jamais fait. Il y a 7 morceaux à récolter donc non. Ouais, faut les combiner après en fait. Ouais. Ok. Et ben. C'est parti plus qu'à pour sortir. Remonter. Donc maintenant, on peut repartir par solo. Ok. Et retourner dans la mer. Toi, tu partiras par là pour le montrer de ton côté, et puis moi, je vais rentrer par la grotte normale. Hein. Non, moi, je vais rentrer par la grotte normale.
Les gens n'ont pas besoin, en plus tu m'as dit qu'on voyait rien, donc les gens ils ont pas besoin d'un POV, si, on voit rien. Si, si, c'était super. En vrai, il y avait du loot, hein. Mais il y avait un truc important à prendre. Non, tu me l'aurais dit. Bah, je te le dis maintenant. S'il y avait genre une dinguerie, tu m'aurais dit, oh, il y a un truc par contre, ne le rate pas et tout. Là... Oh, la dinguerie sous l'eau. Non, mais là, t'es sur terre, arrête. Ah mince, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a de la latence là. Oh mince. Excuse-moi. Ah, non, mais c'est cool, ça. On a eu le taser, ouais. On a eu le recycleur. Et J'avoue que là on est pas mal. Hein. La dernière fois on a vu le grappin et tout. Ce qui veut dire qu'on pourra, je sais, aller chercher la pelle notamment. Dans l'une des grottes à côté de chez nous, je sais plus à quelle c'était, mais bon voilà. Trop bien. Parce qu'on pourra aller faire un peu plus tranquillement maintenant qu'on a eu les outils de base, on va dire. Ça c'est trop bien. Donc, ouais. Ouais. Surtout qu'on a encore passé à côté de trucs qu'on pouvait creuser et tout, et c'est frustrant de ne jamais creuser. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, après justement, elle est là la beauté du jeu. Hein. C'est que ça te donne d'autant plus envie après d'aller récupérer certains items pour aller fouiller. Ouais, voilà. Mais après, c'est juste pour penser. C'est en mode, faut arriver à retrouver le chemin, quoi. Oui. Et à revenir à l'endroit où il y avait des trucs à creuser et tout. Oh hum. Chauve-souris, ça suffit, hein. Qui dit chauve-souris dit peut-être on est pas loin de la sortie, bah voilà. Magnifique. Tu m'as pas lâché, hein. Pourquoi je t'ai pas lâché? Non mais je veux dire, t'es... Là tu t'es... Je t'ai accroché, je pense, pour suivre vers la sortie, pour pas te paumer. Ah bah je te suivais, oui, parce que je savais qu'on allait vers la sortie. Du coup je me suis dit, oui. Faut suivre. T'aurais pu aller vers le truc qu'on avait dit. Attends, je crois que je vais changer mes graphismes, parce que... Ah oui, la luminosité. Ouais, là, j'avoue que là, par contre, ça me flash un peu, là. C'est déjà, moi, je trouve ça flash alors que j'ai juste mis Blockbuster, hein. Donc, toi... Ouais, moi, j'ai pas mis Blockbuster, en plus. Ça doit envoyer... Mais... C'est quoi? Moi, j'étais à 56 de base, c'était pas mal, en vrai. Y'a des gens en face. C'est à peu près naturel. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gens en face. Ah oui, y'a des gens en face. Bonjour. Bonjour. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, oui, d'accord. Oui, j'ai cru comprendre, oui. Oui, oui. Attends, alors... j'ai un problème, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Alors, bonjour. Mais attends, eux, ils se sont fait planter. Qui les a plantés comme les ça, là? Les mouettes ont l'air désappréciées, en tout cas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Mais toi, t'essayes vraiment... Ah, t'es là? Bah oui, non. Tu sais que je regardais la vache, elle est où? Elle me voit ou pas? Elle me voit pas, elle me voit pas. Vas-y, vas-y, j'y vais. Est-ce que tu crois, là, que sur le bord, il peut y avoir des trucs? Vu qu'il y a les mecs... Ça, des trucs, je sais pas, des trucs sur le sol, des items importants si on longe la côte. Ah, de toute façon, oui, souvent sur les plages j'ai des trucs après importants, je sais pas. En tout cas, en termes de points, là où on est, le point là-bas, je crois qu'il fallait qu'on creuse. On y avait été dans un des premiers épisodes, donc il nous faudra l'appel pour aller au point rose. Ouais, point d'exclamation. Ah, mince. C'est quoi qui clignote? Ouais, je suis d'accord, une genre de télé ou je sais pas quoi là. Tu veux qu'on y aille? Ah, mais je sais ce que c'est. C'est quoi? Tout à l'heure, on a eu un truc. Sur le PC? Une coordonnée GPS. Oui. Exactement. Tu crois que c'est ça? Ça, je pense. Ouais. On y va? On peut aller là-bas et. Allez. Ouais, on peut aller là-bas. Oh, trop cool. Hop. Oh, c'est bien que ça soit actualisé, tu sais. Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis une galérienne? Hop, 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 hop. Attends, mais. Tu sais, des fois, je me dis, vaut mieux y aller à pied. Hein. Je suis vraiment nulle. Hein. Hop là. Attends, j'ai un problème, moi. Vas-y, vas-y. Hop. Je vais t'attendre de toute façon. Oh là là. J'ai pas de notion du temps que dure Day 13. Ok, donc jour 13. Ok, ouais, non, d'accord. Je sais pas combien de temps on est passé à l'hiver. Bah, je trouve que ça a été assez vite. De notre côté, on a passé du temps à construire et tout aussi, donc je sais pas. Parce qu'on est que jour 13, tu vois, finalement. Après, donc, on commence peut-être quasi en hiver, tu vois, aussi le jeu, donc. Bah oui, je pense. Alors, je veux dire, tu sais, on a peut-être pas fait toute une saison entière, parce que. Ouais. Donc là, ça se trouve, l'hiver va quand même prendre du temps, je sais pas. Peut-être.
Impossible de porter plus de graines de myrtille, MDR. Eh ben, ça farm ici. Bah parce que je roule dessus. Ah oui. Oh là là, je te fais des jumps. Bah attends, je vais pas au bon endroit. Je préférais que t'ailles au bon endroit parce que je te suis bêtement. Tu vas pas du tout au bon endroit. Bah oh. J'allais vers le point rose. Oh là là. Puis je me suis vautré. Bon arrête, tu m'énerves là. Je sais. Oh, c'est pas possible, mais toi, mais oui. Je la connais si bien. Putain, mais c'est un truc de fou. Ah bah tu vois, je repartais vers le rose là, avec tes conneries. Je la connais si bien, je sais que c'est si facile. Voilà, comme ça vous voyez la vérité là, ce qui se passe. Oh incroyable. Mais il voit toujours la vérité. Je fais que tomber, j'ai perdu mon truc. Oh là là. Arrête. Arrête, je vais m'énerver. Oh là là. Je vais tout péter. Oh là là. Il y a un camp là, mais. Non. Ah, mais c'est celui qu'on a fait, je crois. Non, direction. Bah, je vais à la télé direct. La télévision. Ouais, ouais. Mais en plus, je crois que cette télé, on y avait été beaucoup plus tôt. Nous, si c'est ce que je pense, on y avait été beaucoup plus tôt dans la première série. Ah ouais? Et alors, je sais plus comment d'ailleurs. Peut-être que c'était déjà noté sur la map de base et du coup, ils ont changé la manière dont ça a été fait, c'est pas mal. Moi, je me souviens d'un truc avec une trappe sur le sol. Aïe. Mais je sais pas si c'est ça. Oh ouais, vautré. Tout ce genre de délire. Attends, par contre, moi j'ai vraiment perdu mon véhicule. Bah, c'est marrant parce que je me suis pété la tronche. Bah, il est là. On a fait en même temps. Le véhicule, il est pas noté en plus, ouais. Il devrait être noté sur la map avec une petite balise là, voiture. Mais tu mets une balise. C'est pas comme l'autre. Je crois pas. Ça se trouve, tu peux mettre une balise, hein. Je sais pas, mais de base, l'autre véhicule, tu vois, on le voit sur la map. Donc, oh, je m'envole. Allez, oh, je m'envole. Oh, oh, tombé. Wouhou. Ah, là, c'est agréable quand tu prends côté plage. Ah ouais, là, c'est trop agréable. Là, t'enchaînes, en fait. En fait, on est en train de skier, là, un peu, là, déjà, pour la descente. Mais c'est vrai. Oh, t'imagines dans le deltaplane, là. Mais quel bonheur. Ouais, le delta, le problème, c'est le remonter après. Il est vrai. Ah, parce que descendre, c'est une chose, mais monter avec, c'est autre chose. Hein. Surtout qu'en plus, je me rappelle que quand on l'avait pris dans mes souvenirs, tu sais, c'était un peu bugué visuellement, c'était chiant à se traîner. Ouais, et puis en plus, il faut... Tu le trimbales, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas avoir ça et un autre véhicule, par exemple. Ouais. Donc, c'est chiant, en fait. Bah, il faudrait pouvoir accrocher... Ouais, tu l'accroches à ton dos ou quoi, là, et... Ou au véhicule. Ouais, après, vu le véhicule que c'est, tu vas pas accrocher grand-chose, hein. Moi, je te parle de la voiturette, hein. Ah, bah la voiturette, on l'utilise pas. Ouais, c'est vrai que la voiturette, bon... On l'utilise pour se battre. Ouais. C'est une arme. C'est beaucoup plus efficace, on l'emmènera dans la grotte. Aïe. Oh, mais quand tu dis aïe, à chaque fois, je me vautre. C'est qui? Bah oui, bah justement. J'ai refait. Ah bah oui. Aïe. Okay, on va zoomer un peu maintenant. Attends-moi. Attends-moi. Attends, hein. C'est toi qui es parti en première, hein. Ah. Ah. Moi, je me pompe plus vite que tu prends t'allais pas au bon endroit. Oh là là, non mais c'est bon, je vais pas m'énerver. Non, t'énerves pas. Oh, mais ça va, on est quasi pareil en plus. Oui, parce que j'ai fait un petit détour pour t'attendre. J'ai fait trois fois le tour de la map. Ah, c'est l'entrée, elle me dit quelque chose, hein. Attends, tu l'as mis où ton appareil, toi? Là-dedans. Wouhou. Ouais, l'entrée me dit vraiment quelque chose par contre. Ah ouais? Moi c'est une entrée de grotte du coup là, ça me dit rien. Moi j'ai l'impression que c'est une des premières grottes où on avait été pas de signal, à l'époque. Mais comme je te dis, on avait pas la... là on n'a pas l'info. Oula. Quoi. Attends, mais par contre j'ai soif là, je meurs de soif. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, oh, ah oui oui oui, ça me parle, je t'attends. Ça y est? Ah oui, ça me parle bien là. J'ai sommeil aussi, j'aurais pu voir un truc... Moi je prends un truc énergisant à chaque fois. Moi j'économise à fond, moi je veux qu'on soit bien en provision et tout. Ouais, je comprends. Peux faire sans. Ouais, voilà. Je pense que. Là, cette pièce, voilà, ça va te rappeler. Oh là là, oui. Là, voilà. Donc en gros, à gauche. C'est quoi ce bruit? Oh, c'est parce que. Nos flambeaux. Une blague? Ça a éteint ma torche? Bah ouais. Tu peux pas allumer ta torche ici. Non mais ça va refaire pareil je pense. Allez, regarde. Et regarde, un livre avec Tim Leblanc, alias Timmy, qui a écrit un livre sur les univers parallèles. Tout à fait. Oh, regarde.
Quoi? Un panneau solaire? Oui, comment je... Voilà, je... Ok. Ah mais on peut vraiment le looter comme ça, le panneau solaire. Mais what? Ah, ça, non. Ça recommence. Puffton employé. Ah mais c'est celui qui nous a mis une claque au début du jeu. Ah. Regarde. Ah oui. Jianyu Zhang, département légal, former corporate law, grade C, high security risk. Ouais mais est-ce qu'il y avait pas un truc, parce que grade C, est-ce qu'il... Ah mais là déjà t'as des flèches à droite. Bah attends, si avec ça... Attends, je vais save hein, d'ailleurs. Ah oui, tu as raison, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses hein. Je fais une petite sauvegarde, d'ailleurs j'aurais pu même me reposer. Mais waouh, il y a tellement de trucs. Bah je crois pas qu'on puisse voir l'heure. Ah, si. Ouais, prends les trucs de résine, parce qu'en fait, la résine qu'on récupère, ici, ou ailleurs, hein, va nous servir à crafter des trucs là, avec cette imprimante justement. Une imprimante 3D, n'est-ce pas? Enfin une imprimante résine du coup. Imprimante 3D, oui. Oui, bah oui. Et donc, faut rajouter donc la résine ici, et là on a les plans. Et les plans, on a des flèches, on a flacon, bah, c'est une gourde hein, très clairement. Gourde, oui, c'est peut-être bah, la pas gourde, mal attends, aussi. On peut la faire, ouais. On a un masque. Où soi-disant, il devait plus nous attaquer, je crois, si on avait le masque et tout, mais je crois que ça marchait pas du tout à l'époque. Pas sûr. Crochet ouais, de grappin. Filet tech. Ah, le traîneau, oui, c'est vrai qu'on s'est amusé avec ça. Ah, oh, ouais, on avait bien dévalé des pentes avec ça. Ouais, c'est vraiment pour rigoler. Boîte GPS, du coup, on peut en crafter. Ah, mais attends, par contre. Ah, je m'attendais à autre chose parce que du coup, ça y est pas là. Il manque un truc. Ah, à moins que ce soit les fibres qu'il faut aller faire. De quoi? Ah, à moins que ce soit filet tech. Tu veux chercher. Ah, mais si c'est ce que je pense, c'est filet tech. Hein. C'est filet tech, tu penses? Mais ouais. Attends, c'est pas très cher hein, pour. Quoi, 250. Mais les filets tech, je crois que c'était pas incroyable. Hein, Ah, c'était pas fou. Dans mes souvenirs. Il me semblait qu'il y avait une genre d'armure, je sais pas quoi, mais du coup, c'est filet tech, ouais. Attends, moi je me fais ça. Ah oui, bah oui. 250 x 10. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est les 10 slots de l'armure. Donc en fait, c'est ça, tu fais 250 x 10 et tu as leur armure là qu'ils indiquent ici, tu vois, ce qui a marqué là. Ouais. Et c'est le fameux filet tech. Mais du coup, ouais, je croyais que c'était bien en fait. Bah écoute, j'ai plus le souvenir, donc on peut essayer. Moi, je m'imprime une gourde. Ouais. Bah, si t'en fais une, je vais en refaire voilà. Une aussi. Hein. Vas-y, il reste 300 ml en plus de. Ah, de bobine. Bah en fait, j'ai chargé direct, sinon ça te met un flacon. Un flacon, c'est 400. Donc autant que tu le fasses, hein. Ah, vive les imprimantes 3D, ouais. On n'en parle pas assez, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, dis donc. On en fait des choses. Vrai. Alors. Mais je crois qu'on peut débloquer des plans aussi après aussi. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de trucs. Hein. Ah, j'ai hâte de fouiller. D'autres plans, ouais. Par contre, le Puffton là, là il y a un papier Miles Solstein aussi. Ah, c'est bien fait, ouais. Tu vois vraiment les petites stries et tout, c'est. C'est bien fait. Ça a été imprimé, quoi, ouais, c'est trop cool. Est-ce que du coup on fait les autres salles? Bah ouais, moi je suis d'accord. Y'a quoi là? Ah non. Non, rien, je voulais juste allumer et... Je me suis tourné vers là. Ça m'a l'air bien clair cet endroit. Tout à fait. Bonjour. Y'a des gens? Ok, non. Oui, tu vois pas? Ah oui, nous. Oh, ta tête. Ah, mais... Oh, j'avais pas fait gaffe, mais t'es horrible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as l'armure, là, dégueu, tu l'as sur la tête. Du coup, t'es effrayante. Ah, t'es dégueu, mais vraiment. C'est dégueulasse. Ah, t'approches pas de moi. Oh, regarde, c'est encore Timmy. Mais arrêtez d'éteindre la torche. Non, mais arrête-toi de la rallumer. C'est vrai. Tiens, Timmy, t'as encore un tessac. Ah oui, ils sont bien beaux. Timmy, qui est le personnage du 1, le petit enfant qu'on sauve. Et ben voilà, il est dans le 1. Oh, on n'a pas. Non. Et on n'a pas la carte. Et je mais sais si pas pourquoi dans foot, ma tête. Ouais, dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc là, de toute façon, il faudra revenir une fois qu'on aura la carte, bien évidemment. Et je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait quand même une carte à looter dans ce bunker-là. Mais c'est pas la carte pour carte, ici. On a peut-être pas vu. Hein. C'était pas la carte pour ici, mais il me semblait qu'il y avait une carte à looter, mais pour une autre zone, genre qu'il y avait plusieurs cartes. Mais du coup. Je confonds peut-être juste parce que bah, y avait la carte à passer quoi, mais après il est possible qu'il y ait eu ça, mais étant donné qu'on n'y a pas joué depuis longtemps, il y a eu beaucoup de mises à jour, donc peut-être oui, après, encore que une fois, ça peut être aussi mes souvenirs. Hein. C'était il y a un an, donc je me souviens juste mal, je pense en fait. C'est possible. Je pense. Hein. Bon bah écoute,
Est-ce que ce serait pas le moment de rentrer? Si. Oh, j'ai tellement envie de continuer de jouer. Le jeu, il est incroyable. J'aime trop l'ambiance de ce jeu. Mais il faut aussi dire aux gens que... Là, t'es en retard pour ton live. Effectivement. Si vous ne savez pas, c'est qu'en parallèle, je live. Enfin, beaucoup le savent. Et que je suis actuellement en retard. Très en retard. Du coup, j'aurais bien continué aussi, mais... Voilà, pour le bien de tes viewers aussi, je pense que... Effectivement. Peut-être temps qu'on rentre à la base, parce que si on se lance sur un truc là maintenant, on est pour une demi-heure facile. Hein. Bah là, ils me voient plus quoi, les mecs. Hein. Plus personne n'est là. Tout le monde dort. Donc allons-y, on rentre, on va faire la petite save. Et puis voilà, les amis. De toute façon, là, le spot est resté. Ouais, donc là, c'est par là-bas. Je suis. On a juste à rentrer tranquillement. Et encore une fois, bah, on aura bien avancé. Je pense que bah, la prochaine fois, on ira faire les grottes qui sont vraiment proches de chez nous. Ouais. Et comme ça, on pourra continuer d'avoir les derniers outils utiles. Et puis après, je sais plus du tout où est-ce qu'on avait par contre. Parce que là, je parle vraiment d'outils, tu vois, style le recycleur là, pour aller sous l'eau. Le... Oh là là. Oh là là. Ouais, je l'ai vu ça. Moi, je voulais te suivre. Hop, je vais faire le tour. Style... Ouais, mais ouais, style le recycleur, style. Je vais monter. Hop, le pistolet grappin. Et justement, la fameuse pelle qu'il faut qu'on récupère. Ah oui, la pelle, faut qu'on la récupère, ça c'est clair. Mais après, on aura aussi des armes à trouver et ça... Et d'autres ajouts hein, qui ont été mis dans le jeu. Et... Oui, d'autres ajouts. Et moi, je suis pas au courant de tout. Hein. Il y a des trucs forcément que j'avais vu au tout début, mais alors, j'ai pas suivi tous les patch notes, donc... Justement, et les armes, je sais plus... Je sais plus où on les trouvait, honnêtement, donc... Donc voilà, mais bon, déjà là... Ouais. Ok. Il y a encore eu le bruit. Hein. Ah, ça y est, je peux ramasser les plantes. Ah bon. Oh là oui. Il y a pas de plantes. Bah là les trois. Il y a rien du tout hein. Ah bah c'est peut-être pour ça. Bah, attends je les ramasse. C'est toi qui les as plantées ou moi celle-là? C'est toi. Ah non ok j'allais dire peut-être c'est ça. Donc au pire je vais mettre. Ok attends on les met dans l'ordre, on remet les mêmes dans l'ordre alors. Du alors coup, comment on met... genre face à face ou non? Ouais. Bah, bah on le met dans le même ordre ouais voilà face à face. Vas-y dis-moi. Bah comme tu veux, genre il nous faut quoi? Il nous faut déjà l'alloué, c'est ça. Ok. L'alloué, vas-y je mets, c'est bon. Ok, ensuite. Ensuite il faut l'épilope. Alors, épilope en bas à droite, ok. Ouais, épilope, pardon. Ok, et ensuite c'est la prêle, okay. Non? Ouais, prêle. Prêle des champs, c'est... En bas à gauche. En bas à gauche. Ah, ouais, celle tout sûr. À gauche, mais l'avant-dernière quoi. Et donc là on est d'accord avec ce que t'as eu, tu peux faire un soin, un gros Max. Soin là du coup. Ouais. Ok, parfait. C'est bon, magnifique. Bah, c'est replanté, du coup on pourra en faire de la prochaine fois. Elle est là, elle est là. Coucou. C'est vrai qu'elle, on n'en parle pas assez, mais elle se rapproche de plus en plus de nous là. Ça y est, on va bientôt, je pense, être vraiment potes. Hein. On peut pas lui donner un truc. Elle commence à vraiment traîner près du camp là. Ouais. Ah, on peut pas encore être potes là si t'as le gun en main, tu peux pas lui dire tiens. Bah si. Je pense. Si, si, je peux lui donner un gun là si je veux. Je peux lui donner un GPS d'ailleurs, hein. Je lui donne. Bah j'allais lui donner, vas-y, vas-y. Ah bah pardon. C'est pour lui coller dessus en fait. Mais je peux lui donner mon gun hein, déjà, mais bon... Ouais, peut-être pas... J'ai pas envie de lui donner le mien, tu as mis que je suis couleurs. Pas sûr. Que je suis... Tu as mis un petit cœur? Moi j'ai un petit cœur. Il y avait un petit cœur de base, j'ai laissé du coup. Ouais, c'est du bon, coup, c'est un petit cœur. C'est qu'elle a oh, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Je trouve ça mignon. Ok, bon bah voilà, donc... On verra bien, faudrait qu'on lui fasse... Au moins on sait où elle est maintenant, donc ouais. Après effectivement, soit on cherche l'autre gun parce qu'il y en avait un deuxième. Oui. Soit on refait la strat s'il a repop de retourner prendre le même. Hein, bien mais, sûr, mais j'avais souvenir en tout cas qu'on avait fait une grotte dans laquelle il y avait un monsieur bon, mort dans un fauteuil et que sur lui il avait un gun.